Ma tondeuse vient de... Celle que j'avais, la première, venait déjà du Japon. Hein. La première que j'ai... La première, on me l'a prêtée, en fait. On me l'a donnée à l'essai. C'était un prototype. C'était un prototype de tondeuse robot hein, à énergie solaire et à commande vocale. Herbinator. Herbinator, c'était Herbinator. Allez, ça marchait comme ça, parce que le type qui me l'a prêté, là, il a le magasin, il a une petite pelouse derrière chez lui. Il m'a montré comment ça marche. Hein. Il l'a posé au milieu de sa pelouse, il a reculé de 2 mètres et il a crié « Youf !» Et elle a démarré. Que ça, Herbinator. Et dès qu'il approchait d'une clôture, zut, il changeait de direction. Zut, vers l'autre clôture, zut, il changeait de direction. Zut, zut, zut. Et de clôture en clôture, et ben, finalement, tout était tondu. Et alors, pour l'arrêter, il fallait crier. Attends, parce que c'est du japonais, c'est pas facile à retenir. Hein. C'est en 2 mots. C'est tout, t'as qu'à t'arrêter. C'est tout, t'as qu'à t'arrêter. Pof! Et elle s'arrêtait. Et alors, au cas où il m'avait dit hein, s'il y avait un problème ou quoi, il fallait que je mette donc, le GSM dans la poche, le portable dans ma poche ici. Et s'il y avait le moindre problème, à ce moment-là, je prenais le portable, je fais le code 1, 2, 3, étoile, tous les circuits se coupent. Ouais, je dis, attends, ça, c'est quand même fantastique. Hein. C'est extraordinaire. Hein, ça, c'est... Je dis, ça va, je vais l'essayer. Je mets dans mon coffre, je rentre chez moi, je la sors, je la mets au milieu de ma pelouse, je recule de 2 mètres et je crie, youf! Et il démarre. Herbinator, ton. Et moi, derrière, je ramasse l'herbe hein, pour mettre dans le composteur. Oui, ça, il ne fait pas lui-même encore. Hein, ça, il fait pas... Donc, je ramasse l'herbe pour mettre dans le composteur. Ça allait, hein, ça allait bien. Bon rythme, bien à son aise. Hein. Ça marche à l'énergie solaire. Donc, plus il y a du soleil, plus ça va vite. Et là, il y avait un petit nuage devant le soleil. Donc, ça allait. Et puis, le petit nuage est parti. Et le soleil a commencé à taper. Et Herbinator a donné du gaz. Et moi, je courais derrière hein, pour ramasser l'herbe. Mais plus il avançait, plus mon composteur était loin. Et puis je me dis, oula, mais il y a un stud ici. Moi, j'ai pas de clôture à mon jardin. Et Herbinator, il allait droit vers le potager de Gégé. J'ai dit, je dois l'arrêter ou il va lui bouffer les patates à Gégé. J'ai oublié, c'est la raquette à pépé. Oh là 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 là, les fraises à Thérèse. La quéquette à rater. L'escarole de Jean-Paul. La plouffe mouillée. Les petits pois de Benoît. Qui s'est capété. Je sais plus. Ouh là, il va s'attaquer au nain de jardin de Martin. Oh, il faut que je l'arrête. C'est tout à fait arrêté. Il s'est arrêté. Oh, youf. Ah non, pas youf. Attends, le GSM, je l'ai mis dans ma poche. Je l'avais mis dans ma poche. Je l'ai... En me penchant, il est tombé dans l'herbe. Je l'ai foutu dans le composteur. Oh, ça va, il en est ressorti. Oula, dans quel état. Le code. 1, 2, 3, étoile. Ça s'arrête pas, 1, 2, 3, étoile. Qu'est-ce qu'il dit? Pas d'abonné au numéro que vous avez composté. J'ai dû attendre 7h30 du soir que le soleil se couche. La pelouse était rasée. Tous les potagers des environs étaient ravagés. Les nains de jardin de Martin étaient explosés. Moi, je dis, l'énergie solaire, c'est bien, hein, ça ne consomme pas de carburant. Mais qu'est-ce que ça bouffe comme légumes, hein, ce truc-là hein. Ah non, je l'ai remis dans mon coffre, je lui ai ramené. Je lui ai dit, tu m'en donnes une normale de tondeuse, qu'on met en route normalement avec un Jocarilla et tout ça. Mais attends, mais ils l'ont quand même inventé. Ça existe, hein? Les tondeuses robots à énergie solaire et à commande vocale, ça existe. Ils ont cherché, ils l'ont trouvé. À énergie solaire, chez nous. Ils y auraient mis un moteur à eau, oui, mais à énergie solaire. Tu la mets en charge pendant un mois dans le soleil de chez nous, tu l'utilises 5 minutes, elle te fait pou, 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 pou. Et puis tu as des herbes comme ça hein, pendant 2 semaines après, tu dois chercher après Herbinator. Non, mais ils ont cherché. Ils cherchent, hein, tout le monde cherche.